Quito. Ông chúng đẹp cả một to cái chúng ta cả này thì sẵn là cả hay nó có đào bị cả chuyên từ cầm bị vì cả việc đây lục khi sầm phón nó bị miền nó cả tăng thêm một đấy đào như bộ sạ xây rồi chìm toàn tiền một to hay lục sạ xây xong lục điệp chom nơi vùng rừng nơi rầm nó bao lục ở bàn đằng đó hay loài to từ đằng សំណួរដែលសួរលោកស្ដាប់សំណួរឲ្យបានហើយបើស្ដាប់មិនបានទេមិនយល់សំណួរទេសូមលោកសូមឲ្យអ្នកតាំងសំណួរហ្នឹងសួរលោកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់សូមឆ្លើយហើយពេលវេលាមិនយូរទេមិនណាច់លឹះពី 1 ហើយអង្គខ្ញុំរះអរគុណណាស់ដែលថាលោកបានប្រឹងប្រែងខិតខំផ្ដល់តែខ្លីកម្មក្នុងខ្ញុំពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះឃើញថាស្ថានភាពវាសំណួរពោះលោកគឺច្រើនសំណួរពេកវាច្រើនអាចមានការប៉ះពាល់នៅផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្លះហើយប៉ុន្តែអង្គខ្ញុំរះសង្ឃឹមថាលោកពង្រឹងនៅស្មារតីនិងអារម្មណ៍របស់លោកដើម្បីឲ្យល្អល្អឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបនាពេលចុងក្រោយនៃការប្រតិកម្មរបស់លោកនេះ Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais juste à titre informatif, je pense que je serai obligé, vu la lenteur avec laquelle je progresse, d'aller au bout du temps qui m'a été imparti, c'est-à-dire jusqu'à la pause de l'après-midi. Donc, vous venez d'indiquer aux témoins que l'interrogatoire serait terminé à l'heure du déjeuner. Je ne crois pas que je vais y arriver. Je serai obligé, très probablement, d'occuper la première moitié de l'après-midi, conformément au temps qui nous a été attribué, sinon je n'arriverai pas à poser des questions que je viens de poser à ce témoin. Je vous remercie de vous remercier de vous remercier de vous remercier. Monsieur le Président, nous avons 2 jours et demi pour la défense. Si l'on déduit l'heure et demie pendant laquelle, et c'était tout à fait normal et intéressant, M. Lavergne សួររបស់លោកចក្រមឡាវែងហើយមានការកាត់ចូលឡើងចូលឡើងនោះខ្ញុំគណនាមើលទៅគឺថាខ្ញុំអាចសួរសំណួរដល់សាក់សីនេះរហូតដល់ពេលរសៀលទៀតតែមួយតែត្រឹមថ្ងៃម៉ោង 12 ទេលោកប្រឹងប្រែងតាំងសំណួរទៅចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ Monsieur le Président, c'est une atteinte au droit de la défense. Je suis désolé, vous ne pouvez pas faire cela. Vous êtes en train de censurer la défense. Il s'agit d'un témoin capital qui témoigne à propos de M. Kesampan sur de très nombreux sujets. Ce n'est pas parce que je passe en dernier et je n'y peux rien si je suis dernier à parler. Mes confrères ont respecté très exactement le temps qui était accordé à chacun d'entre eux. Une demi-journée pour la défense de Nunchia. Le temps restant une journée pour mon confrère Carnavas, je ne vois pas pourquoi moi je n'aurais pas le même temps que les autres en fonction de ce qui a été déterminé par avance à la Chambre. Peut-être ne vous souvenez-vous pas de ce qui avait été échangé entre les équipes de défense et le juriste hors classe, mais je puisse terminer mon interrogatoire. Bon, nous pourrons peut-être en reparler, mais vraiment, j'insiste, Monsieur le Président, c'est capital. Ce n'est pas un témoin lambda pour moi.
Jam Jung Pinet Mur Tata, Sarah Songkan, Yang Lemon Cla, Nepedel, Lok Tang Sam Noni. We jump back Yang Macla. How it looked up carpe, we live on man. Near Pale Mount Chong Crowy. Monsieur le témoin, à quelle distance du lieu de la réunion était la termitière dont vous avez parlé avant la pause? Êtes-vous resté à côté de cette termitière pendant toute la durée de la réunion? Cette termitière était-elle de taille suffisamment volumineuse pour que vous puissiez vous cacher derrière? Object to this question is repetitive. He asked for some reason already C'est faux, Monsieur le Président, je n'ai jamais posé cette question. Je pense que c'est une obstruction de la part du procureur. Monsieur le témoin, lors de votre deuxième déposition aux enquêteurs du tribunal en date du 21 septembre 2008, vous n'aviez pas parlé de termitière à côté de laquelle vous vous seriez tenu pendant la réunion, comme vous venez de l'indiquer, mais vous aviez parlé d'un mur de feuilles. Alors je vais utiliser les transcrits de l'audio parce que c'est un enregistrement et qui reproduit donc exactement les mots qui ont été les vôtres le 21 septembre 2008. Il s'agit de la cote D107-3.1 ERN français 008 25 629 ERN Khmer 007 54 368 et ERN anglais 008 2 6 3 8 5. Donc vous aviez un entretien avec... Alors on va vous projeter, si c'est déjà fait. Monsieur le Président, si vous souhaitez, je peux projeter la version Khmer pour que vous puissiez la consulter en même temps. Et j'ai également une version papier à remettre au témoin s'il préfère lire un document sous forme papier plutôt que... Merci. Donc, vous aviez dit le 21 septembre 2008, ouvrez les guillemets, la réunion a eu lieu dans une maison en bois de 4 mètres sur 5, au toit de feuilles de palmier. Il s'agissait d'un simple hangar avec un mur en feuilles de palmier. Étant donné que je suis resté debout
contre le mur, je pouvais voir et entendre tout. Fin de la citation. Donc ma question, elle est simple, monsieur. Laquelle des deux versions est-elle la bonne? Celle que vous aviez donnée en 2008 et dans laquelle vous indiquiez que vous aviez pu entendre les propos tenus à cette réunion parce que vous vous teniez contre un mur en feuille du lieu où se tenait la réunion, ou celle que vous avez donnée ici à cette barre, où vous nous avez expliqué que vous étiez, vous vous teniez à proximité de, d'une termitière. Les propos qui ont été affichés à l'écran, ce sont donc les propos dans lesquels vous disiez que vous aviez pu entendre le contenu de la réunion car vous vous teniez debout contre le mur de feuilles de palmier. C'est bien cela, monsieur le témoin ? Alors, je voudrais que l'on vous montre maintenant la réponse que vous avez donnée à une question sur la description de cet endroit où se tenait la réunion à l'audience du 26 juillet 2012. C'est la page 22 du projet de transcrit du 26 juillet après 10h11. Et en version Khmer, nous avons déjà un ERN, puisque la version est déjà sortie. C'est l'ERN 008-28-349 et la cote E1-97.1. On peut afficher, monsieur le président, du coup, puisqu'on a une version Khmer, si vous m'y autorisez. C'est à l'écran, monsieur le président. C'est à l'écran, monsieur le témoin, je vous l'indique, c'est ce qui est affiché à l'écran. Et le 26 juillet, vous avez répondu à la question suivante. On vous a dit, pour bien comprendre, là où cette réunion s'est tenue, est-ce qu'il y avait un bâtiment avec des murs? Et en quoi étaient ces murs, s'il y en avait? Vous avez répondu, je l'ai indiqué. Il n'y avait pas de bâtiment autour, il n'y avait pas de mur. La réunion s'est tenue simplement sous un toit. Il n'y avait pas de mur. On était entouré de rizières, il n'y avait pas de cloison. Fin de la citation. Alors, à l'instant, vous venez de confirmer la version donnée aux enquêteurs du tribunal en 2008, dans laquelle vous indiquiez que vous aviez entendu ce qui se disait à la réunion, car vous vous teniez derrière une cloison en feuilles de palme. Puis ensuite, le 26 juillet à l'audience, quand on vous a demandé de décrire le même endroit, en vous demandant expressément s'il y avait mur ou cloison, vous avez répondu, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de cloison. Quelle est votre version maintenant, monsieur?
C'est votre réponse, monsieur le témoin. Je ne sais pas si je dois faire un commentaire ou pas. Je crois pas. Je vais continuer. À cette barre, vous avez indiqué que la réunion avait duré au moins 3h30 ou 3-4 heures. Est-ce que vous pouvez préciser la durée de la réunion? Et pendant toute la durée de la réunion, vous êtes resté à proximité de sorte que vous pouviez entendre tout ce qui se disait. C'est bien ça votre témoignage, monsieur? Vous avez parlé à l'audience d'un tableau noir. Vous avez indiqué qu'il y avait des choses écrites dessus, c'est exact? Ce qui était écrit sur ce tableau, c'était des phrases ou c'était un dessin? Lors de votre déposition à cette barre devant ce tribunal, vous avez donné la liste des commandants militaires et des adjoints de ces commandants qui avaient assisté à la réunion dont nous parlons sur l'évacuation de Phnom Penh. Et vous avez par exemple cité le nom de Von Vet et de son adjoint Cheng An, ou de Khoi Thun et de son adjoint Khe Pork. Vous avez parlé de Tamok et de Son Sen. C'est à la page 13 du projet de transcription du 26 juillet après 9h40. Et ma question est la suivante. Au début avril 1975, vous en avez convenu à cette barre, la bataille pour la prise de Phnom Penh faisait rage. Est-ce que vous vous souvenez si le fait de rassembler en pleine bataille tous les commandants et leurs adjoints au même endroit était un problème parce qu'il a fallu leur faire quitter le front et il a fallu les rassembler en un seul lieu. Est-ce que ça a posé des problèmes du point de vue de la sécurité? នៅមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋបាលនេះបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានសំណួរនេះនឹងនាំឲ្យសាកសីធ្វើការសន្និដ្ឋានសូមអរគុណលោកប្រធាន
Je ne pense pas, Monsieur le Président, puisque le témoin faisait partie de l'unité des corps de garde, était donc informé du type de difficultés dont nous parlons. Rassembler tous les commandants et leurs adjoints d'un front en pleine bataille, ça pouvait le concerner. C'était quand même une situation très particulière si l'on suit son raisonnement. សក្តិយន្តមានប្រសិទ្ធភាពសាស្ត្រីមកឆ្លើយតបនឹងទំនួដែលនាំឲ្យលោកបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលើបញ្ហាអ្វីមួយទេសាស្ត្រីគ្មានករណីអគិច្ចធ្វើរិះសន្និដ្ឋានអំពីហេតុការណ៍ព្រឹត្តិហេតុណាមួយដែលកើតមានឡើងនោះទេ Je veux juste qu'il soit inscrit ici, Monsieur le Président, que je ne demandais pas aux témoins de faire des suppositions, mais simplement de nous parler, puisqu'il était en charge de la sécurité, des problèmes que ça avait pu poser. Je vais passer à la question suivante. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, sur le principe. Monsieur le témoin, question suivante. Nous avons déjà parlé du livre de Monsieur Philippe Short, qui vous a rencontré à quatre reprises. Et je voudrais vous demander si, pendant les entretiens que vous avez eus avec lui, Monsieur Short vous a posé des questions sur... cette réunion dont vous avez parlé aux enquêteurs du tribunal et à cette barre. Dois-je comprendre de la réponse que vous venez de faire que oui, vous aviez parlé à Philippe Short de cette réunion de B5 au début avril 1975? Yeah, Mr. President, the question is leading. The witness said no such thing. If counsel has passages that he wishes to refer him to, he can, but he's misstating what the witness said and attempting to lead him now. Je ne crois pas que ce soit le cas, Monsieur le Président. Je lui demande juste s'il se souvient avoir discuté de la réunion dont nous parlons, qui se serait tenue début avril 1975 à Bessin. Est-ce qu'il se souvient en avoir parlé avec Monsieur Short? Le témoin me dit, je ne me souviens pas. Il n'y a absolument aucune espèce de suggestion au témoin dans ma question. យកតាមនឹងទៅហើយឬហើយលោកស្ដាប់ប្រហែលតាមមិនយល់អត់មានបកប្រែទេ PTV ខ្មែរហ្នឹងក៏ឆ្លើយនៅ លោកប្រធានខ្ញុំស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ស្ដាប់ជាភាសាបារាំងទេដូច្នេះបើបកប្រែខ្ញុំមិនបាច់ដឹងបានបាទគាត់ឆ្លើយបែបដូចលោកប្រធានមានប្រសាសន៍មិញប៉ុន្តែវាអត់ចំនឹងសំណួរមែនទែនវាជាហៅអបោហាសាស្ត្របាទ
ចម្លើយគាត់ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងBen, je vais continuer alors à travailler sans connaître la réponse du témoin. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Pour moi, c'était une réponse. សូមអ្នកបកប្រែរៀបចំនៅការបកប្រែលើកម្ពស់គុណភាពឲ្យបានល្អហើយនឹងបកប្រែយឺតយឺតឲ្យច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះកិច្ចដំណើរការពិភាក្សាដេញដោលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងហើយសាក់សៃឆ្លើយរួចហើយហើយអ្នកដែលចង់បានចម្លើយនឹងស្ដាប់អត់តាន់បានផងសួរសារថ្មីម្ដងទៀតជាប់ដែលសួរម្ដងទៀតឆ្លើយខុសពីមុននាំឲ្យកិច្ចសួរនឹងគឺដដែលនឹងអត់ទៅមុខទេហើយគាត់នឹងសុំពេលវេលាទៀតជើញបន្តសុំលោកមេធាវីរៀបចំសំណួរឲ្យបានងាយជាក់ច្បាស់ខ្លីដើម្បីឲ្យសាក្សីទទួលយល់អំពីគោលបំណងនៃការសួររបស់លោកហើយនឹងលោកអាចឆ្លើយតបបានពីព្រោះលោកដាក់បង្ហាញឯកសារទាញឯកសារមកឯកសារនឹងមិនមាននៅអេក្រង់ទេហើយប្រធានបើមានឯកសារនោះជាភាសាបរទេសទៀតដែលគាត់មិនបានឃើញមិនបានដឹងទេAlors, si vous permettez, je voudrais juste demander au témoin, est-ce que lors de vos entretiens avec M. Short, vous avez parlé de la réunion de début avril 1975 à B5 sur l'évacuation de Phnom Penh ? Pouvez-vous me dire oui ou non ? C'est tout, je vous demande.Merci. Donc je voudrais vous soumettre juste un point rapidement, à savoir que dans son livre, M. Short n'a pas repris ce témoignage de votre part, puisque il situe la réunion au cours de laquelle se serait pris la décision d'évacuer Phnom Penh à l'automne 1974. Et je vais citer les références pour que tout le monde les ait. E3-9, ERN français, 006, 39, 458, ERN anglais, 003, 06, 1, 99.Je précise qu'il n'y a pas de traduction de cet ouvrage en clair. Alors, monsieur le témoin, puisque vous avez rencontré M. Short 4 fois, vous êtes donc entretenu avec lui, vous avez la moindre idée, à partir des discussions que vous avez eues avec lui, de la raison pour laquelle il n'a pas repris votre témoignage sur ce point. សាក់តែកុំអត់ឆ្លើយតបចាំស្ដាប់ស្រីជំទាស់របស់ដំណាងថាវិញ្ញាគឺមុនតិនសូមជើញដំណាងថាវិញ្ញាដំណាងថាវិញ្ញា The question asks for the witness to speculate and provide opinions. Counsel's claiming he doesn't have enough time and yet now he's asking this witness to opine on the conclusions of Philip Short. It's totally inappropriate question. Counsel should know that. លោកជាគំនិតលើបញ្ហា Philip Short ដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់Les seules leçons que j'accepte du côté du procureur en ce moment, ce sont des leçons d'obstruction à ce que je puisse avancer dans mon travail. J'ai demandé aux témoins si, à partir des entretiens qu'il a eus avec M. Short, il comprend pourquoi Short n'a pas retenu son témoignage. S'il ne peut pas expliquer ou s'il n'a pas souvenir d'une discussion entre eux là-dessus, eh bien, nous passons à autre chose, c'est tout. Il n'y a pas de suggestion ou quoi que ce soit là-dessus. Ce que j'aime toi, c'est ce que j'aime toi, c'est ce que j'aime toi. Rebord de l'année de l'année, c'est ce que j'aime toi. C'est ce que j'aime toi, c'est ce que j'aime toi.
Alors nous allons avancer dans le temps, monsieur le témoin, et je voudrais parler maintenant des réunions qui se seraient tenues, selon vous, à la gare de Phnom Penh et à l'ancien ministère du Commerce après la chute de Phnom Penh. Vous avez déclaré à cette barre qu'après la chute de Phnom Penh, une partie des oncles s'était progressivement regroupée à la gare ferroviaire et qu'ils étaient restés un total d'une semaine. Vous avez dit qu'ensuite ils étaient passés pendant deux semaines dans les locaux de l'ancien ministère du Commerce. Et puis vous avez dit que dans ces deux endroits, la gare et l'ancien ministère du Commerce, les oncles avaient rencontré de nombreux militaires. C'est la page 63 du projet de transcrit du 26 juillet, autour de 14h13 et après. Et ma question est donc la suivante. Dans la gare, les réunions dont vous parlez, dont vous avez parlé ici, avait-elle lieu dans la grande salle d'attente du rez-de-chaussée ou à l'étage ou à l'extérieur de la gare? Où avaient lieu les réunions dont vous avez parlé? Et dans ce bâtiment, à quel endroit se tenaient les réunions dont vous parlez? Et dans laquelle de ces salles ou lesquelles de ces salles se tenaient les réunions entre les oncles et de nombreux militaires? Vous n'êtes pas en mesure de donner plus de détails, c'est bien cela, monsieur le témoin? Et vous-même, vous montiez la gare de, à l'intérieur du bâtiment de la gare ou à l'extérieur?
Donc vous n'avez pas assisté aux réunions dont nous parlons, c'est exact? Passons, s'il vous plaît, au ministère, à l'ancien ministère du Commerce. Même question. À cet endroit, les réunions entre les oncles et de nombreux militaires se tenaient-elles à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments? Et vous, vous montiez la garde à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur? Avez-vous assisté à des réunions qui se sont tenues à l'intérieur de l'ancien ministère du Commerce pendant ces deux semaines? Alors, je vais passer à un autre sujet. À cette barre, vous avez indiqué qu'à un moment donné, après la chute de Phnom Penh, les dirigeants avaient déménagé de K3 vers K1. Cette déposition a été faite il y a quelques jours, le 26 juillet 2012, à 14h41, en page 72 de la version française. On vous a demandé, vous rappelez-vous quand les dirigeants se sont installés dans le bureau K1? Et vous avez répondu, d'après mes souvenirs, il y avait plusieurs endroits, il y avait K3, et plus tard, ils se sont déplacés à K1. C'était vers la fin de 1975. Fin de la citation. Et ma question est la suivante. Quand vous avez déclaré que les dirigeants avaient déménagé de K3 vers K1 à la fin 1975, est-ce que dans ce déménagement, vous incluiez également M. Khieu Samphan? Et de quelle sorte de déménagement s'agissait-il? S'agissait-il d'un déménagement de bureau qui passait de K3 vers K1 ou s'agissait-il d'un déménagement de domicile qui passait de K3 vers K1? Donc votre témoignage, monsieur, c'est de dire qu'à un moment donné, après K3, Khieu Samphan avait un bureau à K1, c'est bien cela? Mình tí quát nấu có mùi, chẳng vấn đề. Mình nhầm prát hay có tình nói chung khá nì.
Alors, j'ai l'impression que vous venez de changer la chronologie et les lieux de déménagement, puisque dans votre réponse, il a été traduit en français qu'il s'agissait non plus d'un déménagement de K3 vers K1, mais d'un déménagement de K1 vers K3. Est-ce bien ce que vous venez de dire, monsieur le Témoin ? Monsieur le Président, je sollicite votre intervention parce que je pense que c'est quand même pas à moi de décider que doit être la réponse du témoin. Peut-être devriez-vous lui rappeler que les sous-serments et sous-serments et sous-serments avec le maximum de précision possible aux questions que je lui pose. Monsieur le Président, je sollicite votre intervention. អរគុណហើយសាក់សីដូចគ្នាសាក់សីគឺសូមរៀបចំនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរគ្រប់សំណួរដែលសួរយើងបានប្រាប់តាំងពីដើមមកគឺថាកាតព្វកិច្ចរបស់សាក់សីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលភាគីសួរគ្រប់សំណួរទាំងអស់តាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនបានដឹងបានឮបានឃើញចងចាំ មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ឬក៏បានសង្កេតឬក៏សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងម្លងពេលដែលក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិហេតុឬហេតុការណ៍ដែលមាននៅក្នុងសំណួរហើយសាជាស្មីម្ដងទៀតសូមលោកមេធាវីក៏សម្រួលសំណួរឲ្យបានងាយៗដែរ អាចពីកបីតកមួយកមួយតកបីនេះអាចវាកើតមកពីការបកប្រែឬក៏ជាការតាំងសំណួរដើមដំបូងយ៉ាងម៉េចបានជាអាចមានចម្លាក់ចេះទី2ក៏សូមស្វែងយល់ដែរអំពីពាក្យច្រឡាត់នេះព្រោះដូចជាញឹកច្រើនដងហើយពាក្យច្រឡាត់នេះគឺថាការស្វែងយល់នឹងគឺជាការលំបាកមួយពាក្យច្រឡាត់ដែលគេប្រើនៅក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យពន់ជាមួយនឹងការសម្ងាត់ នៃអង្គការគឺគេតែងតែធ្វើអ្វីជាសម្ងាត់និងច្រឡាត់ជានិច្ចបញ្ហានេះគឺកើតមានហើយនៅក្នុងដំណំរឿងគឺមានអ្នកច្រើនដូចហើយ លោកតាំងសំណួរបន្ត លោកចាំថាសំណួរកាលណា សួរវិញបើមានហេតុការអីកើតឡើងភ្លេចអស់ហើយម្យ៉ាងរឿងហេតុវាយូរម្យ៉ាងបកប្រែម្យ៉ាងវ័យគាត់ក៏ចំណាស់ហើយ60ជាងហើយលោកមានបំណងសួរអីលោកតាំងសំណួរដើម្បីលោកអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអង្គជំរះពិចារណាអំពីផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យលោកដែលលោកមានបំណងស្នើសុំ Monsieur le témoin, à un moment donné, après la chute de Phnom Penh, que son pan a-t-il eu un bureau dans les locaux de K1 ? Oui ou non ? ខ្ញុំក្តាប់អត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅឃើញនៅជុំគ្នាទេមន្ទីរដែលឡៃដែលអត់មានទេ
Je vais donc passer aux questions suivantes, monsieur le président. À cette barre, vous avez déclaré qu'à partir de mai 1975, donc après la chute de Phnom Penh, vous aviez cessé votre travail de garde du corps. Et vous avez dit qu'au début, vous étiez chargé, aux côtés de Yeng Sari, de l'accueil des invités. C'est à la page 72 du projet de transcrit. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il de vos fonctions de messager que vous occupiez dans la jungle? Les avez-vous cessées en même temps que vous avez cessé celles de garde du corps? À partir de quand avez-vous cessé d'exercer des fonctions de messager? จำนวนนี้คือถ้าเจียพี่สาขมายเยอะคือถ้ากาเตะเต้าเวียนละหดเวียนนำเต้านอมหม่อนั่นอะไรนึกคือถ้าโลกสู่ได้ชกไปหนาคือถ้าอันเมียนไปชกเต้คือถ้าทางระยะใบชะนำเมียนกาแต่เนตโนงเนี่ยละหดฝันจิตก่อนในช่างงานจังมนช่างงานอันนี้จิต Merci. Donc, si je comprends bien, pendant la période 1975-1979, vous avez mené des missions aussi importantes que l'accueil des hôtes étrangers, l'approvisionnement de B1, le contrôle psychologique des 1000 employés dont vous aviez la charge, l'enquête sur le tourisme en Chine dont vous nous avez parlé hier, et en plus de toutes ces missions, vous avez accompli des tâches subalternes qui consistaient à apporter des lettres. C'est bien cela que vous dites, monsieur le témoin ? ខ្ញុំយល់ចំនួនលោកមិញថានៃពីរឿងដែលខ្ញុំណែនីរសាហ្នឹងបានខ្ញុំឆ្លើយតែរឿងនីរសានេះអត់មានឈប់ទេគេនៅធ្វើរហូតហ្នឹងព្រោះវាមានសារនាំទៅនាំមកព្រោះមានការតំណែងតំណងទៅអ្នកតំណងមកហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងការងារនោះក៏គេធ្វើដែរ À cette barre, pendant ces jours d'audience, vous avez déclaré que les seules lettres échangées avec Kyo Sampan, entre vous et Kyo Sampan, étaient en rapport avec l'accueil des hôtes. Je fais référence à l'audience du 26 juillet, en page 88 de la version française provisoire, après 15h40 et 34 secondes. Je fais également référence à la page 93 du même jour, après 15h59 minutes
41 secondes. Je fais encore référence à votre déclaration du 30 juillet 2012 à cette barre, en page 5 et 6, après 9h, 12 minutes et 48 secondes. Est-ce que vous confirmez que pendant la période de 75 à 79, les seules lettres que vous avez échangées, remises à M. Khieu Samphan, portaient sur l'accueil des hôtes étrangers au Cambodge? ចំពោះអ៊ំខឿនសំផនដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាគាត់តាមកាន់នាទីហ្នឹងគេក្រោយពីបាត់ដឿនទេបានគាត់ឡើងពីចង់ចិត្តបំបីទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាមានអីច្រើនទេតែថាមានតេតតងមួយគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាការតេតតងហ្នឹងរវាងមន្ទីរ 8 Et d'accord, monsieur le témoin, et sur le contenu des contacts, l'objet des contacts que vous aviez avec Khieu Samphan, c'était l'accueil des autres étrangers ou autre chose? Est-ce que pendant toute la durée du Kampuchea démocratique, entre 1975 et 1979, vous avez travaillé ou collaboré directement avec Khieu Samphan sur des questions qui concernaient des arrestations de personnes ou leur élimination? Est-ce que lorsque vous dites que Yeng Sari vous a parlé du fait que Khieu Samphan avait succédé à Dun, il s'agissait de vous dire qu'en matière de réception des hôtes, c'était Khieu Samphan qui s'en occuperait? Mr. President, we'd object. The question is leading and misstates the prior testimony of the witness. Chia ca đọ srong sum day kho roba chum lai sa say pi khang dam ba. Monsieur le procureur, pouvez-vous indiquer en quoi j'ai déformé les propos, s'il vous plaît? If you want me to use your question time to do that, I'm happy to do so. The witness testified to his communication with Yeng Sari, which was that Yeng Sari took over Doyne's functions at Office 870. There was no qualification that it was limited to matters related to foreign guests. You added that into your question, suggested it to the witness, making the question leading and misrepresenting his prior testimony. Je ne crois pas que ce soit le cas, Monsieur le Président, mais je peux essayer de reformuler ma question si vous souhaitez. Monsieur le témoin, lorsque fin 78, Yeng Sari vous a dit que désormais, c'est
Khieu Samphan, qui assumait les fonctions de Doun. A-t-il précisé si les fonctions dont il parlait concernaient toutes les fonctions de Doun ou est-ce qu'il a précisé que c'était l'accueil des hôtes étrangers? ចំណុចនេះគេថាពាក្យដែលទទួលបន្តពីដឿនតែខ្ញុំយល់គាត់ទទួលគាត់ទៅទាំងអស់នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះតែខ្ញុំតែតោងពីគាត់តោងទៅថាតោងទៅគាត់នោះគឺតោងពីរឿងភ្ញៀវទេអញ្ចឹង D'accord, je crois que ça répond à ma question, monsieur. Est-ce que vous connaissez un certain frère Yem? Et si oui, quelles étaient ses fonctions? ព្រោះខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគឺហុកបំពេលហ្នឹងគាត់ទៅពង្រៀនហ្នឹងគាត់ទៅរៀននឹងដែរហុកបំពេលហុកបំពេលហ្នឹងគាត់ទៅរណាករីដែរហើយក្រោយមកនេះក៏មិននៅនៅលេខានៅនៅប្រជេសចាស់ដែរក្រោយមកទៀតម្ដោះដែរគាត់មកក្រសួងការបរទេស Je vous remercie. Je voudrais vous poser une question de clarification. Et vous avez déclaré que c'était le 26 juillet, page 91 du projet, juste avant 15h52 et 13 secondes. On vous demandait qui présidait le bureau 870 et vous avez dit au début c'était Bong Pang qui le présidait et après la disparition de Pang, Deun a pris sa place. Et moi je voulais vous demander, d'après vous c'était quand la disparition de Pang? ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ 78 នឹងឯងរវាងខែ 5 ខែ 6នឹងដឹងទេគឺចន្លោះនឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ទេចឹង Et la disparition de Doun, vous vous souvenez de la date? Doun nung bat khluon pel na dae lok cham kal parachai da ru te. Bat khluon nung knong chnam 78 dae.
À cette barre, on vous a demandé, je vais changer de sujet, monsieur le témoin, on vous a demandé si vous aviez eu connaissance d'un discours de Khieu Samphan relatif aux 7 super-traites de la clique de Lon Nol. Et moi, je voulais vous demander si vous aviez eu connaissance, de, à l'époque, de la déclaration de Sihanouk, datée du 26 mars, mais également des 1er et 2 avril 1975, dans lesquels le prince annonçait la condamnation à mort de Lang Boret et dénonçait avec des mots très durs les 7 super-traîtres de la clique Lon Nol et réclamait également que soient jugés 16 autres traîtres. Est-ce que vous avez eu connaissance à l'époque de ces discours de Sihanouk? Enfin, hier, vous avez déclaré que vous étiez chargé d'organiser la fuite du prince Sihanouk en janvier 1979, lorsque Phnom Penh était attaqué par les Vietnamiens. Est-ce que Khieu Samphan était avec le prince et la princesse au moment de cette fuite? Monsieur le Président, j'espère que vous allez être content de moi. J'ai terminé. Merci, monsieur le Président. បាទអរគុណច្រើនលោករជាមតុនការស្ដាប់សកម្មកម្មរបស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់សុខគ្រប់ហើយហើយអង្គជំរះមិនត្រូវការស្ដាប់សកម្មកម្មរបស់លោកជាបន្តទៀតទីលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬគោលដៅដែលលោកចង់ទៅបានហើយអង្គជំរះថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយបានខិតខំអត់ធ្មត់និងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទាននៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះហើយសូមលោកជួបតែតំណាងល្អនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការត្រួតពិនិត្យមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាក់សីអ្នកជំនាញក្នុងការជួនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅដំណើរឋានឬក៏គោលដៅដែលគាត់ចង់ទៅកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ព្រឹកនេះឃើញថាសមរម្យសម្រាប់ហើយហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់រយៈពេលមិត្តទៅទៅរហូតដល់រុស្ស៊ីល្មមមួយ30នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយ នៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះសូមជម្រាបភាគីនឹងសាធារណជនជាផងដែរថាកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីធីស៊ីដែលបានយូរ6រយកៅសិបបួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រួលបឋមដោយអង្គជំរះហើយនឹងបន្តមកអង្គជំរះនឹងផ្ដល់វិធីការទៅដំណាងសាប្រញ្ញាដើម្បីតាំងទំនួចំពោះសាក្សីដែលបានបំរុងទុកនេះ Thank you, Mr. President. Good morning, everyone.
very briefly, I'm informed that our client is suffering from a backache. Some change, Crouch.